tutto tuo per sempre, promessa di una vita per lei. Nei tuoi occhi il cielo, nel canto il mistero. Del tempo pastore della storia di uomini e di gloria, la forza nella abbiate paura, vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. À partir de l'Évangile, Jean-Paul II découvrait les desseins de Dieu pour l'humanité, pour lui-même, mais surtout, il apprenait le Christ. Après les paroles émues de l'archevêque de Cracovie, le cardinal Stanislav Dziwisz, secrétaire particulier de Jean-Paul II pendant 40 ans, c'est sur une place Saint-Pierre très colorée et bondée que le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, a présidé une messe d'action de grâce pour la béatification de Jean-Paul II. Dans son homélie, le cardinal a fixé les pensées priantes des milliers de fidèles qui l'ont tant aimé. « Merci pour l'homme de foi », a-t-il dit, un authentique défenseur de la dignité de tout être humain, et non un simple combattant pour des idéologies politico-sociales. Merci pour le pasteur qui avait enraciné en lui le sens de la mission. Merci pour le témoin aussi crédible, aussi transparent, qui nous a enseigné comment vivre notre foi et défendre les valeurs chrétiennes. Remercions le Seigneur, a insisté le cardinal Bertone, de nous avoir donné un pape qui a su donner à l'Église catholique une vision plus spirituelle, plus biblique, plus centrée sur la parole de Dieu. Nous avons tous eu l'occasion, a conclu le secrétaire d'État, de constater la grande cohérence de son humanité, de sa parole et de sa vie. Il était un saint, un homme vrai, puisque inséparablement lié à celui qui est la vérité, un homme vivant, car plein de vie, qui est le Christ. Thank you.
Bonjour, vous venez de le voir à l'instant et vous l'avez très largement vécu sur KTO. La béatification de Jean-Paul II a été ici au Vatican un événement majeur suivi par près d'un million de fidèles. Autre événement à suivre sur KTO ce week-end, la visite que Benoît XVI effectue dans le nord-est de l'Italie. Mais c'est d'une information presque passée inaperçue ici à Rome la semaine passée que je voudrais vous parler, tant l'événement, s'il est confirmé, est assez rare dans l'Église. Ainsi, au terme d'un très long et très rigoureux procès, Rome aurait décidé de proclamer très bientôt un nouveau docteur de l'Église, la Congrégation pour les causes des saints, avec l'accord de la Congrégation en charge de la doctrine de la foi, a donc longuement travaillé sur le dossier d'un saint espagnol du XVIe siècle, Saint Jean d'Avila, celui que l'on baptise l'apôtre de l'Andalousie. Canonisé en 1970, Jean d'Avila est un grand mystique, un grand prédicateur de la contre-réforme. L'épiscopat espagnol a fortement travaillé ces dernières années pour faire de lui le 34e docteur de l'Église, un titre que l'on donne à des saints dont l'autorité particulière de témoin de la doctrine est reconnue en raison de la sûreté de leur pensée d'abord, de la sainteté de leur vie évidemment, et aussi de l'importance de leur œuvre. Alors, peut-être vous souvenez-vous que Jean-Paul II, en son temps, en août 1997, en France, avait choisi les jeunes du monde entier, sa rencontre de Paris avec les jeunes du monde entier, les Journées mondiales de la jeunesse, pour annoncer son intention de proclamer docteur de l'Église universelle, Sainte Thérèse de Lisieux. Alors la sainte française était officiellement devenue docteur 2 mois plus tard, en octobre 1997, c'était à l'occasion de la Journée mondiale des missions. Et alors c'est probablement cette fois-ci encore les Journées mondiales de la jeunesse, cette fois-ci à Madrid, en août prochain, que Benoît XVI pourrait choisir pour annoncer son intention de proclamer docteur de l'Église le saint espagnol. Saint Jean d'Avila, qui n'est pas universellement connu, mais dont on sait qu'il fut un très grand prédicateur, alors que les 33 autres docteurs de l'Église ont été papes, cardinaux, évêques, religieux ou religieuses, celui-ci serait le premier simple prêtre. Voici un aspect que Benoît XVI ne devrait pas manquer de souligner, d'autant plus s'il évoque la figure de Saint Jean d'Avila devant les jeunes du monde entier réunis à Madrid. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.